Allô? Kathleen, c'est Maxime. C'est quoi l'affaire? Pourquoi ça disait à ma mère que je laissais Marie-Ève pour toi? Mais je la laisserai pas. T'as pas le droit de dire ça. Pourquoi tu mens comme ça, hein? Kathleen, réponds-moi, s'il te plaît. Mauvais numéro. Merci. Vous pouvez m'ouvrir? Ah, bien sûr, madame. Bonne promenade. Oh, merci. Edith a été dire au policier qu'elle avait tué notre père avec la puce. Je savais, je m'en souviens. Est-ce qu'elle a tiré sur lui pour l'empêcher d'être tué? Parce qu'il voulait se suicider puis t'amener avec lui. Ça, tu vois, je savais pas. Moi, j'ai toujours pensé que Laurent était encore vivant. Que c'était George Smith. Qu'est-ce que... Elle a fait quoi avec le corps? Elle a demandé à Jean-Guy de l'enterrer. En cave, la maison. Voyons donc. Pourquoi elle a fait ça? Elle aurait pu appeler une ambulance, la police. C'était un cas de légitime défense, non? S'il voulait tuer Luc. Je pense que oui, mais... Sur le coup, elle a paniqué, elle a pensé que personne ne la croirait. Puis là, la police va fouiller la cave, j'imagine? Aussitôt qu'ils ont le mandat. On fait quoi, là, nous autres? On va retourner à la maison. La garde creusée. Imagine qu'il y en a une qui doit se sentir tout seul, pas à peu près. Non, je vais rester. Je pense que ce serait préférable de laisser les policiers faire leur travail. Monsieur Dubé viendra me dire aussitôt qu'il trouve quelque chose.